Here comes LBJ! Basketball avec un pile l'autre discipline sportif rapporté un pile l'argent à travers le monde là. Discipline ça tout créé un pile passion car un pile fanatique supporté qui toujours aimé garder discipline sportive ça. Mais un pile là-dedans juste prend plaisir pour garder mais y'a pas qu'on est origine et comment discipline ça fait créer. Jodi a nous va le présenter au qui est-ce qui t'a créé discipline sportive ça qui c'est basketball. Mais avant d'aller plus loin, viens nous montrer comment pour subscribe sur channel YouTube Adduction Media. Pas oublier, activer cloche notification pour pas jamais rater un ken dans vidéo n'a plagué pour nous informer ou pour nous former. Restez là, n'a pas. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je dis à nous pour le présenter James Naismith, un jeune garçon qui sorti dans une famille immigrant écossais qui arrivait sur le territoire canadien pour le travail dans l'année 1851. Pendant jeunesse, jeune garçon ça, James Naismith était gymnaste, un joueur de cross, un joueur de football canadien de haut niveau dans l'université McGill de Montréal dans la province Québec. Il était d'ailleurs considéré comme un meilleur athlète parmi 10 athlètes que l'université moment te connaît. Et c'est là tout, il était prend diplôme. Il était docteur en médecine, en théologie. James Naismith, c'était un jeune garçon très brillant. James Naismith inventait basketball avec un ballon en panier. Professeur de gymnastique dans Springfield College, dans Massachusetts, James Naismith cherchait à occuper étudiants pendant un pile temps que qu'on a passé sans pas faire rien dans la saison hiver. Dans la saison football américain avec basketball, tu as fait un pile actualité, tu es très en vogue. Et tu as trouvé dans la période ça, un pile glace, tu as empêché de jouer discipline sportive ça très bien. Et c'est pour ça que tu as pensé comment pour le faire gagner une discipline qui te permettre de jouer en dedans mais pas dehors, parce que pratiquer discipline sportive dehors dans la période ça c'est vraiment très difficile. Il se trouvait en occupation avec monde qui était avec lui dans l'école ça pour être capable d'éviter blessures. James Naismith te souhaité joindre une discipline sportive pour être capable d'éviter que monde qui pourra le jouer pas blessé et pas gagner en pile problème. Objectif lui c'était créer un sport qui dominait sous force avec rapidité et puis puissance. Et un jour dans l'année 1891, il a eu l'idée de placer deux caisses de pêche vides de bois sur une rampe de gymnase dans une hauteur très exacte de 10 pieds, soit 3,048 mètres. C'est comme ça qu'il pourrait faire entrer un ballon pour le marquer point. Il proposait activité ça à l'étudiant. Et ça pas prendre un pile temps pour être établi règles essentielles pour rendre jouer ça praticable. Premier match a terminé sur un score de 1-0. Un panier qui est inscrit par William Chase. M'a besoin de nous. Jouer ça a fait un pile élève très content et ont envie de jouer le plus toujours. Mais puisque c'est professeur James Naismith qui est venu avec discipline, non, tout le monde te souhaité relayer discipline non, Naismith Ball. James Naismith pas d'accord que discipline te pote non. Et c'est comme ça, chef classe là, franchement, proposé pour relayer jouet là, basketball. Puisque c'est un ballon rond qui entraîne un panier, t'es capable de combiner pour bailler non discipline ça. Basketball. Ça veut dire, un panier avec un ballon. Inspiration ça a venu par rapport avec un joueur canadien qui relayait le Doc on a Rock. Comme ça, pendant que tes jeunes garçons, il était qu'on jouait avec Timon Bola Kylie. Objectif là, c'était déplacer un gros roche avec un petit roche que vous avez voyé. C'est qui est-ce qui a gagné plus aptitude pour te faire ça? Professeur a organisé première rencontre basketball là, 21 décembre 1891, dans Springfield, Massachusetts. Le ça, jouet là, t'es gagné 13 règles qui n'ont origine. Et règles ça a pour le publier en janvier 1892 dans le journal officiel du Springfield College, The Triangle. Et il va republier toute règle ça dans l'année 1893 avec quelques légères modifications. James Naismith te gagne une carrière entraîneur très épanouissant. Équipe université Kansas dans l'année 1899 avec James Naismith qui était à droite. James Naismith pour quitter Massachusetts pour déménager aller dans l'université Kansas dans l'année 1898 côté il va faire en pile étude. Et c'est comme ça qu'il pourra devenir professeur et premier entraîneur basketball dans Jawax, Kansas. Côté pour initier programme basketball dans l'université A, qui pourra continuer à développer, qui pourra devenir une discipline sportive qui est plus en vogue dans le pays A. Avec James Naismith. James Naismith déménagé pour l'université du Kansas dans l'année 1898, côté il était fait études. Il devenir professeur et premier entraîneur basketball dans Jawax du Kansas. Côté il initié programme basketball que l'université A pourra développer pendant plusieurs années. Et vini meilleure discipline sportive dans le pays. Et c'est pendant la période que lui s'est entraîneur dans l'équipe basketball ça que lui pourra faire un pile bel travail et mettre discipline sportive ça avec un pile principe que un pile monde va le remettre. Et c'est comme ça qu'il pourra commencer par créer des légendes qui pourra jouer basketball bien et parmi eux pourra joindre
un entraîneur qui pourra vraiment faire un pile bagarre dans basketball dans période là qui c'est Fog Allen. Et c'est Fog Allen ça qui pourra remplacer dans un titan comme entraîneur dans équipe là. Et Fog Allen c'est entraîneur qui pourra gagner plus victoire dans histoire basketball dans université dans pays les États-Unis. James formait également John McClendon, reconnu comme un plus bon entraîneur afro-américain basketball là. Renforcé par conviction égalitaire pour jeunesse là pendant mobilisation en Europe pour première guerre mondiale là, et pendant l'étape servi sous frontière américano-mexicaine, James Naismith cependant pas décidé entraîner équipe mixte pour raison ségrégation raciale qui était en vigueur dans pays les États-Unis. C'est comme ça il était gagné seulement étudiants noirs qui étaient dans équipe basketball là, mais tout qui était qu'à utiliser piscine Kansas là pour être capable gagner épreuve natation dans université là. Mais m'a rappelé dans époque ça c'était seul petit blanc qui était capable baigner dans piscine noir pas de gain pile accès. Mais James Naismith te goumé en pile pour étudiants noirs li que il t'a entraîné dans basketball t'es capable gagner accès dans piscine dans tout. Faut nous dire gagne un gros statut James Naismith dans ville natale dans Allemagne. En août 1936, juste avant Jeux Olympiques Berlin, il a nommé James Naismith comme président honoraire Fédération Internationale Basketball Amateur. James Naismith élu membre Basketball Hall of Fame lors de promotion initiale de 1959. N'a pas informé que institution ça a porté nom James Naismith dans Springfield, Massachusetts et est venu également membre de FIBA Hall of Fame 1er mars 2007. James Naismith mourit 28 novembre 1939 à Lawrence, Kansas. Pas oublié que le professeur canadien qui était naturalisé américain, mais surtout il était connu plus tout côté dans monde là parce que c'était monde qui était inventé discipline sportive qui est le basketball là. Quelques petits détails ou besoin qu'on ait sur James Naismith. Il est mort à l'âge 78 ans, il c'était canadien américain, il était gain en taille de 1.79 m. Religion lui c'était presbytéranisme et dans équipe université Kansas là, il était resté de 1898 à 1907. Si vous aimez mes vidéos, mettez un petit pouce bleu, faites commentaire et puis pas oublier partager la avec amour pour plus monde capable. Mais surtout abonnez sur channel là pour capable joindre plus de vidéos comme ça. Merci en pile, na ouais très prochainement pour une autre vidéo même genre.